C'est le coup de feu à l'auberge du village de Conti. Le chef, Guillaume Hermand, enchaîne les préparations avec un objectif en tête, faire honneur à la cuisine traditionnelle. C'est la cuisine, on va dire, de grand-mère, un tout petit peu améliorée, tout ça, mais c'est tout à fait ça, il n'y a rien d'extraordinaire. On travaille donc avec des producteurs locaux, qui sont du nord, encore en général, la viande, j'ai un petit peu plus loin, mais le chercher dans le nord de la France, avec des produits qui sont beaucoup, beaucoup plus près. Et aussi tout ce qui est légumes, je travaille les légumes du jardin. Valoriser la cuisine de son terroir, travailler des produits locaux, c'est aussi ce qui a valu à l'établissement de Guillaume de recevoir le label Bistrot de Pays, décerné par le conseil départemental de la Somme. Un gage de qualité reconnu par la clientèle, ravie de passer un moment convivial autour de bons plats. Les gens sont sympas, on a une bonne table, nous on est dynamique, on est heureux de vivre quelque part, donc c'est ce qu'on recherche. Les produits de Pays, c'est exactement ce qu'il faut, c'est circuit court, c'est déjà ce que je recherche dans ma vie normale, donc ici c'est exactement, ça me correspond complètement. Dans la Somme, le label Bistrot de Pays rassemble des établissements autour d'un but commun, maintenir le tissu économique et social en milieu rural. Ça aide au développement parce que aussi on est plusieurs bistrotiers, donc nous dans la Somme, on est plusieurs, on est 8. Donc ça permet déjà de communiquer ensemble. Ça fait donc une promotion supplémentaire et puis un petit peu une reconnaissance aussi de travailler un peu comme ça. Le label Bistrot de Pays est une reconnaissance et ouvre à Guillaume Hermand de nouvelles ambitions. Pourquoi pas le titre de maître restaurateur ?